Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre jeu offensif Slap Your Mama pour le début de notre saison d'automne. C'est exceptionnel que je fasse une vidéo parce que le site sur lequel j'avais fait le jeu a crashé. Donc, voici le jeu. C'est un stack horizontal. C'est important. On va mettre un joueur complètement sur la ligne du côté ouvert, un joueur complètement du côté fermé, puis un joueur un tout petit peu du côté ouvert dans le centre. Donc, c'est ça, c'est la délimitation, un petit peu du côté ouvert. Pourquoi? C'est qu'on s'attend à avoir une couverture similaire à ça. Le jeu, c'est la personne au centre qui part le tout. On va faire une cote comme ça ici, pendant que lui fait une cote comme ça. Donc, on a déjà une option de peut-être mettre la longue si on a vraiment un gros poach en défensive. Mais le jeu, c'est tu feintes, rentre, puis lui va venir faire la longue comme ça. Donc, c'est un jeu qui joue beaucoup dans le côté fermé. On a nos deux primes, nos deux options principales. Ça va être faire une passe ici, en break, peu importe, à ce joueur-ci dans cet espace-ci, et faire la longue à ce joueur-ci dans cet espace-là. Si ça ne fonctionne pas, donc la passe ne part pas, ben, ce joueur-là rentre. Ce joueur-là va repartir vers la longue. Puis là, ça fait une espèce de rotation comme ça ici. À ce point-là, si la passe n'est pas décochée, on va jouer soit avec ce joueur-ci. Donc, je vais juste replacer les joueurs dans cette situation-là. Donc, on a lui qui se dirige par là, puis on a lui qui se dirige par là. Donc, c'est possible, ce joueur-ci, de s'activer. Lui, c'est notre dépanneur, OK? Donc, il peut soit aller chercher le disque ici, soit partir pour la longue, mais quelque chose de, dépendamment de sa marque, de sa couverture. Et si ces trois choses-là ne fonctionnent pas, on va pouvoir se tourner vers le joueur qui est en arrière pour peut-être faire un mirror, faire une passe ici, ou faire une passe comme ça. Dans tous les cas, l'important c'est que celui-ci reste comme dépanneur immobile pendant le jeu, et même chose pour ce joueur-ci, et qu'on attaque le plus possible du côté bris. On n'aura pas beaucoup d'options du côté ouvert avec nos deux joueurs receveurs principaux. On va essayer de les briser le plus possible, parce que la deuxième passe après va être plus facile. Ce qui est important de savoir, c'est que si je fais une passe, exemple, si on fait une passe ici, et que lui est parti, ben, on se retrouve avec ce joueur-ci qui était lui, qui est handler. On a toujours un dump en arrière, on a une personne en avant. Ben, il faut qu'il y ait deux personnes qui aillent s'activer. Soit lui va aller s'activer avec celui-là, ou la personne qui vient de faire la passe va aller s'activer aussi. Donc, communiquer sur le terrain. On veut toujours deux personnes qui sont actives, une personne qui est réactive sur le sideline, un dump puis un lanceur. Une autre dernière petite chose que j'aimerais qu'on apporte dès le début, c'est que si le disque est sur la ligne de côté, mais là, on n'a pas 1000 options. C'est pas génial notre jeu, il n'y a aucun jeu génial sur la ligne de côté. Ce qu'on va vouloir faire, c'est venir chercher un recentrage. Fait que ça peut être soit le dump qui fait une espèce de petite feinte comme ça ici, il vient attraper le recentrage, ou si le dump communique avec un autre joueur, disons celui-ci, le dump pourrait partir, puis ce joueur-là vient chercher. Donc, quand on est sur la ligne de côté, c'est pas tant qu'il faut faire le jeu là, c'est pour recentrer, puis après on part le jeu. On va essayer ça pour la semaine numéro 1, essayer d'apporter des ajustements. Il y a des choses qu'on peut faire dépendamment de comment ils nous défendent pour mieux réagir, mais la cut break in, la longue, puis nos deux dépanneurs. Donc on se voit mardi.